Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Planète Zoo. Alors, pas de création pour aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter un peu plus en détail le contenu du nouveau pack, qui est donc le pack Amérique du Sud, où ici on nous propose 5 nouvelles espèces, qui sont notamment le jaguar, le lama, le capucin, le tamanoir et la rainette aux yeux rouges, qui elle sera donc une nouvelle espèce de vivarium. On nous propose également dans ce pack deux nouveaux thèmes, qui sont donc le thème bambou et le thème temple, qui proposent tous deux une variante trop colorable. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tous les éléments de décor de ces deux thèmes dans la séquence qui suit. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour vous présenter un peu plus en détail les 5 nouveaux animaux. A tout de suite! Thank you.
retrouve donc après cette petite présentation des nouveaux éléments de décor pour découvrir les 5 nouvelles espèces d'animaux. Donc, dans un premier temps, on a le jaguar. Alors là, on a un petit couple de jaguars et il me semble d'ailleurs qu'ils ont eu un petit bébé quelque part qui se cache. Alors, où est-il? Il est là. Oh, petit bébé. Donc, alors, au niveau de la zoopédie pour ces jaguars, comment ça se présente? Alors, donc, au niveau de l'espèce, c'est une espèce quasi menacée. Habitat naturel, donc on est d'accord de toute façon que c'est le continent américain, sud-nord. Pour ce qui est de l'habitat minimum requis, on a une base à 705 mètres carrés, pas de surface aquatique requise. Une surface d'escalade de minimum 80 mètres carrés et une température qui oscille entre 8 et 42 degrés. Pour ce qui est de la clôture, il faut du coup une anti-escalade niveau 3 supérieure à 3 mètres pour qu'il ne puisse pas sauter par-dessus. Pour ce qui est de la taille du groupe, c'est 2 maxi, donc un mâle et une femelle, et donc sans compter les jeunes. Et ils peuvent avoir jusqu'à 4 petits par portée dans un délai de 24 mois entre deux portées. Pour ce qui est de bonus interespèces, il n'y en a pas. Et les recherches, ce sera en fonction de si vous jouez en mode bac à sable ou en mode franchise. Ensuite, on passe donc au lama. Donc le lama qui se trouve ici. Le beau petit lama. Gardez-moi cette petite bouille là. Alors au niveau de sa zoopédie, on est sur un animal domestiqué. Au niveau de l'habitat naturel, donc toujours sur le continent américain. Un terrain minimum requis de 550 mètres carrés. Pas de surface aquatique nécessaire aussi. Pas de surface escaladable nécessaire et il faut que la température soit entre moins 5 et 40 degrés. Pour ce qui est de la clôture, ce sera du niveau 4 supérieur à 2 mètres. Au niveau du groupe, on est à entre 2 et 30 maxi hors jeune. Pour la portée, on est à 1 maxi par portée et 24 mois entre deux portées. Pas de bonus interespèces et les recherches toujours le même point si vous jouez en franchise ou en mode bac à sable. Ensuite, on retrouve les bruits en capucin. Hop. Petite tête de fouine. Alors, eux, au niveau de la zoopédie, on est sur quoi? Donc, préoccupation mineure. Habitat naturel, donc le terrain requis minimum de 210 mètres carrés. Surface aquatique 0 mètres carrés, 20 mètres carrés de surface escaladable et une température entre 12 et 42 degrés. La clôture anti-escalade niveau 1 supérieure à 1,25 m. Pour ce qui est de l'eau, si vous voulez clôturer l'enclos avec de l'eau, sachant qu'ils ne traverseront pas si l'eau est supérieure à 3 mètres de large et supérieure à 1 mètre de profondeur. Ça c'est bon à savoir, si ça évite de mettre des clôtures autour de l'enclos. Là vous mettez une petite rivière qui fait le tour, 2-3 mètres de large minimum et de 1 mètre de profondeur minimum, et les animaux ne passeront pas. Pour ce qui est de la taille du groupe, on peut aller jusqu'à 40, donc 8 minimum pour leur bien-être, 40 maxi, à savoir 13 mâles, 39 femelles au niveau du ratio. Pour ce qui est de la portée, donc c'est un maxi par portée et 24 mois entre deux portées. Eux en revanche ont un bonus interespèce si vous les associez donc avec le tamanoir que je vais vous présenter juste ensuite et les tapirs. Donc c'est parti, on va voir les fameux tamanoirs qui se trouvent ici. Voilà le tamanoir. Donc au niveau de sa zoopédie, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est une espèce vulnérable.
Au niveau de son habitat naturel, le terrain requis minimum est de 660 mètres carrés. Eau requise 0 mètre carré. Structure d'escalade 0 mètre carré. Et une température requise entre 8 et 42 degrés. Au niveau de la clôture, ce sera du niveau 2 et supérieur à 1,25 m. Pour ce qui est donc du coup du bonheur inter-espèces avec le capucin et le tapir. Et au niveau de l'information sur l'espèce, sur la taille du groupe notamment, c'est deux maxis, donc un mâle et une femelle, hors jeune toujours. Et un petit par portée espacé de 12 mois entre les deux portées. On passe maintenant à la rainette aux yeux rouges, qui elle est une nouvelle espèce donc de vivarium. Donc là on retrouve le vivarium tropical. Alors je vais essayer de vous trouver une petite rainette. Ah, j'en vois une ici. Elle est colorée, donc ça va, on arrive à la distinguer. Je vais essayer de m'approcher le plus possible. Voilà la petite rainette. Donc au niveau de la zoopédie, alors vous avez vu que maintenant on peut chercher directement l'animal concerné. Donc information générale, donc préoccupation mineure. Au niveau de l'habitat naturel, donc on reste sur le biome tropical du coup. Température entre 26 et 31 degrés et humidité entre 80 et 90. Mais ça, c'est quelque chose que vous réglez directement dans le vivarium. Au niveau de l'information sur l'espèce, taille du groupe donc jusqu'à 8 maxi, 6 petits par portée maxi et 12 mois entre deux portées. Voilà. Puis les recherches, ce sera en fonction de si vous faites le mode franchise ou le mode bac à sable. Voilà pour ces 5 nouvelles espèces d'animaux. Alors pour ce qui est maintenant de la mise à jour gratuite qui vient du coup se greffer au pack, on a quelques améliorations qui sont pas négligeables, notamment l'impact négatif sur les visiteurs, donc qui peut se réduire maintenant sur les bâtiments de staff. Donc là, vous voyez que l'impact négatif de la salle de repos, par exemple, a une circonférence assez imposante. Donc là, on est sur du 13 mètres de circonférence. En revanche, quand vous prenez celle-ci, alors c'est un bâtiment que j'ai fait moi, que j'ai dans mes blueprints personnels. Donc on peut voir que le pourcentage de la note négative a été réduite de 46% sur 50 maximum, car autour il y a du décor. Donc ça représente 92% au niveau de la note environnementale pour ce bâtiment. Donc plus votre bâtiment sera décoré et plus la note négative sera moindre. Donc vous voyez là le cercle de notes négatives est beaucoup beaucoup plus petit que celui-ci, alors que c'est le même bâtiment. Là, j'ai juste rajouté du décor par-dessus. C'est également valable du coup pour tout ce qui est service électrique et eau. Vous voyez là, la note est fortement réduite parce que j'ai une note environnementale de 100%. Voilà pour cette amélioration au niveau de l'impact négatif. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir placer les zones de staff un peu plus près des zones de visiteurs où il y a les chemins visiteurs pour éviter du coup à nos soigneurs de faire de trop longues distances entre chaque enclos. Donc, une nouvelle amélioration qui vient du coup avec la mise à jour gratuite, c'est une amélioration au niveau des chemins et pas des moindres, puisque vous allez voir, celle-ci est vraiment super top. Donc là, on a une nouvelle option qui vient s'ajouter dans le menu des chemins, qui est longueur d'élévation. Donc, en cochant cette case, vous allez pouvoir choisir la longueur de l'escalier ou de la pente et de ce fait, bah, réduire la hauteur. Donc là, par exemple, en étant sur 4, donc longueur habituelle, on est sur une montée classique. En revanche, là, si je descends hop, à 3,50, on va avoir un escalier qui va être plus petit et du coup, par rapport à celui-ci, plus bas. Pareil, si je descends là à 3,
il sera encore plus court. Et ainsi de suite. C'est des paliers de 0,50 à chaque fois. Donc là, escalier, pente, plat, on est encore plus bas. Voilà, le petit 2. Hop, là on passe à 1,50. La pente, le plat, le 1. Alors, vous voyez, c'est, on peut faire maintenant des plateformes pas très hautes en partant directement du chemin du bas. Plus besoin de s'embêter à le placer proche et galérer un peu à mettre le chemin en escalier pour le relier. Là, c'est direct du chemin le plus bas, on monte et c'est plus simple. Et on a le format 0,50 qui est tout petit, tout petit. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'amélioration des chemins. C'est vraiment très sympa. Pour ma part, je pense que je vais m'en servir pas mal de fois. Et on a aussi une nouvelle option. Où je suis content de l'avoir aussi. C'est qu'on n'avait pas avant et qui était un peu problématique. C'est lorsque vous avez un chemin staff qui est placé. Maintenant, vous pouvez le modifier directement et le transformer en chemin visiteur. Et inversement. Chose que l'on ne pouvait pas faire avant et qui du coup est bien plus pratique maintenant. Si vous vous trompez en plaçant des chemins de staff au lieu de placer des chemins visiteurs et que vous voulez les changer, bah avant il fallait tout supprimer et replacer. Là en revanche, bah, vous le remplacez tout simplement. Et le visiteur lui ne pourra pas aller sur ce chemin. Voilà pour ce qui est de l'amélioration et des nouveautés au niveau des chemins. Grande nouveauté aussi au niveau de l'interface générale, nous avons un onglet supplémentaire qui s'intitule donc éducation, où là on va pouvoir retrouver la note générale de l'éducation des visiteurs et voir aussi l'espèce qui est la plus éducative pour eux. On peut aussi filtrer par espèce, donc là vous retrouvez tous vos enclos, enfin toutes vos espèces. Du coup, vous voyez le nombre de visiteurs éduqués au cours des 12 derniers mois. Donc là, 712 par exemple pour le jaguar. La contribution moyenne au niveau d'éducation globale d'un visiteur. Donc ça l'augmente de 20%. On retrouve du coup pour le lama, la rainette, etc. Et on a aussi un panneau de préservation donc, qui reprend vos panneaux d'information placés dans le parc. Vous pouvez voir du coup le nombre de visiteurs éduqués grâce à ces panneaux sur les 12 derniers mois. Les frais courants via source d'énergie. Bon, là je suis en mode bac à sable donc il n'y en a pas. Et puis vous pouvez voir s'ils sont opérationnels ou vandalisés en l'occurrence. Là il n'y en a pas. Du coup vous avez accès à tout directement depuis cet onglet. Voilà pour le panneau d'éducation. Autre nouveauté donc qui vient avec cette mise à jour, c'est le menu généalogie. Donc par exemple, si je clique sur le bébé jaguar, je vais dans origine et je clique sur généalogie. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'affiche où là apparaît du coup sa généalogie complète. On peut apercevoir donc ses deux parents, son code génétique, donc au niveau de la fertilité et de l'immunité. On voit aussi ses gènes de taille et de longévité. C'est assez complet. On peut voir s'il a un compagnon, une descendance, s'il fait partie d'une fratrie. Donc c'est vraiment très intéressant. On peut aussi y accéder directement via le menu des animaux. Donc là, vous choisissez l'animal et l'onglet voir généalogie. Et la fenêtre apparaît, tout simplement. Donc voilà pour cette petite partie généalogie. Avec cette mise à jour, on a aussi droit du coup à quelques éléments supplémentaires de décor, donc à savoir des rochers et un peu de végétation. Donc vous pouvez voir ici une nouvelle roche tropicale. Donc on a la roche tropicale avec de la mousse dessus. Donc ça reprend toute la gamme de roches déjà existantes en version tropicale avec de la mousse. Et on a cette variante aussi avec une texture mousse juste sur le dessus. Et vous allez voir avec une texture dynamique. Alors j'espère que vous le voyez bien à l'écran. La texture se déplace sur le rocher ou le rocher se déplace sur la texture. Ce qui fait que si vous prenez le même rocher
et que vous le placez à côté, il n'aura pas forcément la texture placée de la même manière. On a aussi des nouvelles fleurs. Alors je pense qu'elles sont nouvelles. Si, dites-moi si je me trompe, mais moi je me souviens pas les avoir déjà vues. Qui sont sympas, j'aime beaucoup. On a quelques racines. Aussi, je ne pense pas qu'elles existaient avec ces arbres-là. Qui sont à mon sens nouveaux. Je me trompe peut-être, hein, j'ai pas souvenir d'avoir eu ces arbres dans mon menu, mais bon, au cas où, je vous les montre. Alors, on a aussi quelques éléments de construction. Donc, admettons, là, je prends le vert. On a donc les nouveaux panneaux en vert, tout simple. Bon, je sais pas si vous allez réussir à voir. Donc les petites vitres toutes simples, sans bordure, sans cadre, sans rien. Donc on va pouvoir faire des trucs assez sympas avec, je trouve. Donc voilà, dans différentes tailles. On retrouve aussi une déclinaison de la gamme des panneaux hexagonaux. Alors, il me semble qu'elle s'est élargie la gamme. Les grands panneaux comme ça, de souvenir, on les avait pas. Donc on a les trois. Ensuite, quelques toutes petites formes. Idem, je pense que elle n'était pas. Et on retrouve du coup cette gamme hexagonale et triangulaire en version opaque. Donc du coup qui est teinté. Du coup qui vient vraiment compléter la gamme. Donc au niveau du triangle aussi. Donc c'est valable que pour les tailles normales. En revanche les grandes tailles sont que en format vert. Voilà à ce niveau là et je pense que c'est tout. Alors j'ai peut-être oublié des nouveautés. Mais j'arrive pas à cibler vraiment toutes les nouveautés de la mise à jour, mais je pense que c'est tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette présentation de ce nouveau pack vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher le pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos de Planet Zoo ou Planet Coaster. A bientôt.